El cine francés es una manera de entender el cine. Nous avons décidé de démarrer un nouveau rendez-vous ici avec la fête du cinéma. C'est le cinéma français bien sûr, mais c'est surtout une main tendue aussi vers le cinéma espagnol que nous les Français nous adorons. C'est vrai que d'être à l'étranger, il y a un petit plus, parce qu'on sait bien qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas la même culture que nous, pas les mêmes références, donc c'est magnifique. Je pense que le cinéma français est toujours perçu comme un cinéma d'auteur et un cinéma intimiste et très artistique, et où on a encore le pouvoir d'exprimer et de raconter des histoires qu'on veut raconter. Unifrance a choisi cette année de s'installer quelques jours à Madrid, mais également à Barcelone et à Séville, tout simplement parce que l'Espagne est un marché important pour nous. Le marché européen reste notre premier marché d'exportation, avec notamment l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui sont quand même les trois pays avec lesquels nous travaillons énormément. J'ai senti que l'accueil du public espagnol et hispanophone plus largement était assez chaleureux, et du coup voilà, je suis très content d'être à nouveau là pour le vérifier. Enfin, j'espère pouvoir le vérifier ce soir. Desde siempre, desde el nacimiento de A Contracorriente hace 4 o 5 años, hemos visto el potencial que tienen las películas francesas en España. Son películas que gustan, que normalmente tienen buen boca-oreja y que no hace falta un gran P&A, un gran presupuesto para lanzarlas, sino que con el boca-oreja normalmente pues acaba llegando a la gente, ¿no? La France une espèce de capital cinéphilique qui est quand même partagé dans beaucoup de pays, et que l'Espagne effectivement nous le prouve à chaque fois. Enfin. Unifrance a un rôle quasiment prescripteur. C'est une mission et qui est à ma connaissance unique au monde, et qui tient à la particularité de la cinématographie française.